أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها الأخوات أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, vous m'entendez tous très bien, même au fond, vous pouvez me faire un geste si vous entendez bien, tout va bien. Alhamdoulilah. Bien, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Je suis désolé, je suis un tout petit peu fatigué. J'arrive en fait d'une nuit dans l'avion arrivée des États-Unis. Et on est obligé d'avoir le... Bon, ok. Donc, désolé d'abord du retard. Ensuite, je vais essayer de faire au mieux pour garder la ligne du propos qui est le mien sur comment aujourd'hui revenir à l'enseignement et à l'exemple du prophète alayhi salam dans le quotidien qui est le nôtre, les sociétés qui sont les nôtres et les défis auxquels nous faisons face. La première des choses que j'aimerais dire en introduction, en arrivant aujourd'hui des États-Unis et ayant dû faire face à énormément de questions provenant des Américains, des médias américains, mais aussi des citoyens américains sur ce qu'ils voient dans le monde majoritairement musulman, en Libye, en Égypte, maintenant au Pakistan, en Indonésie et à travers le monde musulman, en termes de réaction à ce qui est un très mauvais film qui a utilisé les nobles valeurs de la liberté d'expression pour traduire les plus bas intentions de la provocation. Eh bien, il faut qu'on puisse aussi, de ce point de vue-là, revenir à l'exemplarité du prophète, alayhi salam, en disant une chose très très claire. En commençant par nous-mêmes, rien ne doit pouvoir justifier à partir de nos références qu'en face de ce qui est dit contre le prophète, alayhi salam, de ce qui est l'insulte ou de ce qui est le mépris ou l'arrogance, rien ne peut justifier que l'on tombe dans la violence, que l'on tombe dans l'assassinat, que l'on tombe dans le fait de s'en prendre à des diplomates, à un ambassadeur ou à des civils. Ça n'est pas justifiable. Il faut que nous ayons une parole claire vis-à-vis d'un certain nombre de leaders parfois de mouvements religieux qui, pour pouvoir gagner l'adhésion populaire, joue sur le sentiment religieux et l'émotion et pousse les gens contre l'Occident en pensant « vous êtes plus musulman quand vous êtes plus anti-américain ». Et nous, notre réponse, quand elle vient de l'exemple du prophète, elle est simple. Vous êtes plus musulman quand vous êtes fidèle aux principes des musulmans, même parfois contre les musulmans et même parfois avec des gens de l'Occident. Notre islam ne se mesure pas à nos ennemis, notre islam, il se mesure à notre fidélité. Et notre fidélité à des principes qui doivent être clairs. Et il nous est dit, « La tasubbu alladhina yad'una min dunillah » n'insultez pas ceux en quoi ils croient, à l'exception de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont vous répondre. Vous êtes responsable de la réaction de gens qui ne vous aiment pas. Si ils ne vous aiment pas et qu'avec noblesse vous dépassez leur haine, vous ne leur donnez pas les moyens d'insulter ceux que vous croyez. Donc nous devons être conscients de la responsabilité qu'il y a à provoquer des réactions. Elles sont toujours nobles. Raison pour laquelle, quand vous venez à des choses très très simples, la responsabilité de l'acteur dans
la responsabilité de la réaction, dans la nature de la réaction. Quand vous voyez un musulman ou une musulmane, vous savez que c'est une sunna de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». C'est une sunna de saluer bien. Mais celui qui a entendu la sunna, pour lui, ça devient un devoir de répondre. « Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Vous êtes avec votre sunna responsable de son wajib. Vous êtes avec votre liberté responsable de ses obligations morales. Et il faut s'en rendre compte à l'intérieur de la communauté comme il faut s'en rendre compte à l'extérieur, que nous sommes responsables de comment les gens vont réagir. Alors, en même temps, on regarde ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes et on se rend compte que ceux qui, aux États-Unis, sont derrière tout ça, ils ont un agenda et des objectifs très clairs. Ils veulent toucher le sentiment populaire. Ils savent comment sont les populations. Ils jouent la défense des droits des nantis contre le sentiment populaire des exclus. C'est un jeu sur le droit en disant « nous sommes la civilisation supérieure, regardez comment ils réagissent ». Et quand nous en Occident, vous ici en France, ou les Américains aux États-Unis, les musulmans américains, ou les intellectuels, les ulama, les gens qui sont de l'élite éduquée, eux ils doivent comprendre qu'ils sont entre des populations qui réagissent émotionnellement et des attaques qui sont extrêmement ciblées intellectuellement et stratégiquement. Entre les deux, il ne s'agit pas de blâmer les uns et blâmer les autres et puis de rester comme ça en disant « moi je suis un bon musulman, je ne suis pas d'accord avec le peuple et je ne suis pas d'accord avec les attaques ». À un moment donné, il faut alors de ce point de vue-là bien comprendre notre responsabilité entre les deux. Il faut protéger les peuples des attaques de ceux qui sont malveillants, mais pas en étant d'accord avec le peuple de façon populiste et pas en critiquant le peuple de façon méprisante. Mais en comprenant les sentiments populaires, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la survie au Pakistan, en Indonésie, dans le monde arabe. Il y en a qui n'ont pas de quoi manger, il y en a qui n'ont pas de travail. Alors quand en plus on attaque leur sacré, ils vont descendre dans la rue et vont dire « vous allez voir ». Le sentiment qui les anime, il est sain au départ, mais il est mal placé, il est mal utilisé, il est mal orienté. Raison pour laquelle on doit dire aussi aux savants, on doit dire aussi aux leaders, « s'il vous plaît, faites entendre vos voix ». Exprimez-vous, vous aussi, Français de confession musulmane, exprimez-vous avec sagesse, avec autorité, en disant à ceux qui utilisent les droits nobles pour produire du racisme, de l'islamophobie et du rejet, leur dire à eux, vous allez nous trouver, non pas dans la rue comme des gens qui vont être violents, mais sur tous les domaines de la discussion, dans tous les débats, avec conscience, cohérence et intelligence, vous allez trouver notre sagesse en face de votre folie. Et à ceux qui sont dans la rue, il faut le dire, la maîtrise, la compréhension de l'islam, parce que ce qui nous vient du prophète al-Salam a toujours été « maîtrise-toi, emsek alayka ». Mais qu'est-ce qu'il disait le prophète al-Salam? Il disait « emsek alayka lisanak ». Il disait même pas « maîtrise tes coups », il disait « maîtrise ta langue ». Même ta langue, elle va plus vite que ta pensée. Malheureusement, pas simplement dans les rues des sociétés majoritairement musulmanes, même à Pontoise, même ici, il y en a qui parlent plus vite qu'ils ne pensent. Or, la spiritualité, c'est de penser avant de parler. Et même la spiritualité, parfois, c'est penser à ne pas parler. Et la spiritualité, parfois, c'est penser et ignorer ce par quoi on vous attaque. Exactement ce qui s'est passé avec le prophète, al-Salam, quand il était au début de son engagement. Et que les gens de sa propre communauté, pas des étrangers, pas des gens loin de lui, des gens de sa famille, des gens de sa tribu, des gens de sa société, qui l'insultent, qui le rejettent. Et lui, il reste dans le calme. Et à un moment donné, il est assis dans un cercle et on l'insulte. Et son ami, qui l'aime de tout son cœur, regardez comment l'émotion joue des tours. L'émotion de l'amitié, l'émotion de la fraternité. Il aime le prophète, Abou Bakr al-Siddiq, il l'aime, il ne veut pas qu'on l'insulte. Et à un moment donné, l'amour qu'il a pour le prophète va dépasser la spiritualité qui a la maîtrise devant Dieu. Oubliez la maîtrise devant Dieu
pour se laisser emporter par l'amour parmi les hommes. Et à un moment donné, il va répondre. Il va répondre à ceux qui attaquent le prophète Assalam. Et le prophète Assalam, qu'est-ce qu'il fait? Il en rajoute? Non. Il se lève et il quitte l'assemblée. Il part. Et Abu Bakr al-Siddiq est étonné. Il suit le prophète Assalam. Il lui dit, est-ce que tu es fâché contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Il lui dit, écoutez bien, parce que c'est ça les forces de la spiritualité. Il lui dit, pendant qu'il m'attaquait, des anges leur répondaient. Mais quand tu as répondu, le diable est entré dans la danse. Et il n'appartient pas au prophète Assalam de rester là où le diable intervient. Le diable est ami de la colère. Et Dieu est ami de la sagesse. Et lui, c'était quoi la sagesse? Je t'ignore. Tu veux ma colère, tu auras ma distance. Tu veux ma haine, tu auras mon sourire. Tu veux mes faiblesses, je te renvoie la force du silence. La faiblesse de mes mots colériques face au silence de la force spirituelle. J'ignore. C'est ça que vous avez dans le Coran. « Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu » Salam, paix, moi je suis un acteur de paix. Ta haine, elle te prend toi, elle te noie toi. Et dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, savoir faire la distinction et savoir où sont les responsabilités. Maintenant, nous vivons une période qui est aussi difficile. En France, comme dans le monde musulman, vous voyez ce qui vient après tout ce qu'on a espérer, et moi quand je le disais dans le livre, beaucoup d'entre vous ici disaient attention, il faut être plus positif par rapport au printemps arabe et aux révolutions. Moi je disais, et je dis encore, il faut voir ce que seront ces soi-disant révolutions. Nous sommes dans des mouvements qui vont prendre du temps, nous sommes dans aujourd'hui dans une conscientisation, nous sommes dans un réveil, mais le réveil doit encore prendre du temps à se réaliser. Et dans cette période de transition, et pour vous également, qui vivez en France, qui êtes français pour la majorité d'entre vous de confession musulmane, ou qui allez faire votre avenir ici, vous ou vos enfants, eh bien, il faut regarder les défis, et là, il faut revenir aux sources et se dire, comment est-ce que la vie du modèle, de celui dont il est dit dans le Coran qu'il est le meilleur des exemples, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ce que vous savez qu'on répète, il y a dans l'exemple du prophète, alayhi salam, du messager, le meilleur des exemples. Eh bien, comment est-ce qu'on peut de sa vie se nourrir pour nos vies? Comment est-ce qu'on peut de ses défis se nourrir pour nos défis? Comment de sa sagesse pouvons-nous devenir un peu plus sages? Comment de son courage pouvons-nous devenir plus courageux? Et ça, la première des choses que l'on voit quand on revient à l'exemple du prophète, as-salam, c'est une chose qui est le fond. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la vie des gens, il y a de ce qu'on appelle dans l'exemplarité des gens, quelque chose qui est la toile de fond, qui est le paysage dans lequel l'individu va vivre sa vie, et qui est en fait, pour nous, l'association fondamentale de son action dans le monde à la lumière du tawhid, de la ilaha illallah, à la lumière de la première interpellation dans le sourate 96, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, et il dit au prophète alayhi salam, « A'ouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbika, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton éducateur, de ton seigneur qui a créé. » Et là, cette toile de fond, elle dit quelque chose d'extrêmement important dans la vie du prophète, as-salam. Ça veut dire quoi, lit? Ça ne veut pas dire simplement acquiert la connaissance. Ça veut dire, à partir d'un certain moment, quand le prophète, as-salam, répond, je ne sais pas lire, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et Jibril, alayhi salam, va lui dire par deux fois, lit, lit, et la troisième, au nom de ton Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. La toile de fond dans laquelle va se mouvoir la mission prophétique, elle est fondamentalement liée à la connaissance, mais à quelque chose qui est la responsabilité de la connaissance. Sois un être responsable. Le prophète, alayhi salam, dans toute sa vie, il y a une chose qu'il n'a jamais, jamais évitée. Ce sont ses responsabilités. Dire « La ilaha illallah », il n'y a de Dieu que Dieu, ça veut dire devenir un être responsable.
La première des responsabilités, ça va être ton choix. Celui qui veut, qu'il croit, celui qui veut, qu'il nie. Première responsabilité, décide. Et c'est tellement important cette décision qu'elle est le fondement de ce qu'on trouvera et de ce que diront les savants dans la dignité de l'homme. Nous avons donné la dignité à l'être humain. Qu'est-ce que c'est cette dignité ? C'est tu es responsable des choix de ton intelligence. Donc quand Allah SWT appelle le prophète, il lui dit une chose, lis au nom de tes responsabilités. Pourquoi devrait-il lire s'il n'avait pas la conscience de le refuser ou de ne pas lire ou de ne pas aller vers la connaissance ? Et la toile de fond du tawhid en islam, c'est que l'humanité est constituée de femmes et d'hommes qui doivent assumer leurs responsabilités, devenir des sujets, devenir des êtres de conscience, qui font le choix de la connaissance, qui font, avec le choix de la connaissance, le choix de l'unicité de Dieu. Et donc, ça veut dire que ça va avoir des conséquences. La toile de fond de notre religion, c'est pas de vous dire vous êtes coupable, non, c'est de vous dire vous êtes digne. Et votre dignité, elle a deux jambes. La première, c'est d'assumer vos choix. Mais pour assumer vos choix, il faut assumer vos responsabilités, votre liberté. Soyez des êtres qui assument vos libertés. Donc ça veut dire, assumer sa liberté, c'est exactement ce qui va se passer dans la différence de statut entre, dans la Sourate al-Baqarah, les anges, dans tout au début de Sourate al-Baqarah, les anges et Bani Adam, puisque ceux qui sont en adoration perpétuelle se prosternent devant celui et celle qui ont le choix de la foi. Vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Le choix de la foi fait ta dignité. Le choix dans ta vie fait ta dignité. Si et seulement si tu assumes ce choix. Et assumer le choix de la foi, assumer le choix d'être sujet, c'est-à-dire un être, une femme et un homme qui, avec Dieu, regarde la vie en face, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences, c'est-à-dire assumer la liberté de sa propre éducation. Alors je me tourne vers vous. Vous voulez suivre les pas du prophète, il ne s'agit pas de prendre la vie du prophète et de connaître les dates. Il ne s'agit pas de connaître sa vie par cœur. Il s'agit de connaître le sens en profondeur. Pas les dates par cœur, le sens en profondeur. Et les sens en profondeur, de ce point de vue-là, c'est de se dire, à un moment donné, quand Allah SWT appelle le prophète, il lui dit clairement que l'un des choix fondamentaux pour toi en tant qu'être responsable, ce sera la connaissance. Pas de responsabilité assumée dans l'ignorance. L'ignorance, c'est agir contre la responsabilité. Un être ignorant perd sa responsabilité. Un être qui travaille pour la connaissance assume sa responsabilité et la responsabilité de son intelligence. Mais c'est tellement vrai l'association de la foi et de l'intelligence que le verset que je dis cité dans chacun de mes livres que vous trouvez sur le site, si vous allez, c'est la première page du site que j'ai. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ceux qui sont doués d'intelligence profonde, et ceux-là y voient dans la création des cieux et de la terre, dans la création et la succession des nuits et des jours, des signes, et ça c'est leur connaissance. C'est ce qui est déterminant pour leur connaissance. Ils font le choix de cette connaissance profonde. Alors avant même de savoir si vous avez un bon comportement, avant même de savoir comment mesurer votre comportement, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes ici, en France, qui avez des opportunités extraordinaires, en matière éducative, en matière de temps libre, en matière de vie sociale, est-ce que vous pouvez dire en conscience, en ayant dit et après avoir dit « La ilaha illallah », même avant que vous pratiquiez, parce que certains d'entre vous dans cette salle sont croyants mais pas pratiquants. Avant même que vous alliez vers la pratique, le début de la pratique, ce n'est pas la prière. Le début de la pratique, c'est d'avoir compris le paysage derrière, c'est-à-dire d'avoir compris le principe de la ilaha illallah. Le début de la pratique pour une musulmane et un musulman,
c'est est-ce que vous faites ce qu'il faut pour assumer votre liberté et travailler à votre connaissance. En d'autres termes, quand Allah subhanahu wa ta'ala commence, avant même d'avoir dit au prophète, avant de lui avoir imposé la prière, il lui dit « Iqra », il lui dit « Iqra » avant « Salli ». « Aqim al-Salah » ça vient après, parce que « Aqim al-Salah » ça va venir après « Iqra ». Lis, comprends. Combien de temps, à la lumière de cet enseignement-là qui a façonné le prophète, vous allouez à votre éducation personnelle? Combien de temps vous allouez à la maîtrise de votre liberté? Non pas en nourrissant quelque chose, je suis responsable, je suis coupable, Dieu ne m'aime pas. Non, assumez sa liberté. Et assumer sa liberté, c'est vous avez 14 heures, 16 heures par jour où vous êtes réveillé. Dans ces 16 heures par jour, avant même de prier, combien de temps vous allouez à la connaissance? Combien de temps vous allouez à faire les bons choix? Est-ce que vous êtes emporté par la société qui décide pour vous ou est-ce que vous êtes déterminé par la conscience qui décide en vous? Est-ce que vous faites le choix de la connaissance? Combien de livres? Combien d'articles? Qu'est-ce que vous faites de votre esprit? Parce que quand vous me direz ce que vous faites de votre esprit, je saurai comment vous traitez votre cœur. Parce que c'est ça que dit le Coran. Iqra, pour ensuite parler, lahum quloubun la yafqahuna biha. Non, j'ai une fatwa personnelle, on n'applaudit pas, on réfléchit. Ensemble. Donc en l'occurrence ici, c'est cette toile de fond. Cette toile de fond qui doit être celle de la compréhension du tawhid, d'assumer sa liberté. Qui réfléchit en vous? Est-ce que dans votre rapport, vous savez les prophètes, vous vous rendez compte? Tous les prophètes, tous, pratiquement sans exception, ont dû faire face à leurs propres parents, à la génération d'avant. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la foi qui était un message de vérité leur imposait de regarder dans leurs parents les potentialités de l'erreur. Mais ça veut dire quoi si vous allez plus profondément? Ça veut dire qu'en fait, ça vient de gens que j'aime, mais ce n'est peut-être pas la vérité. Quand Ibrahim a.s. parle à son père et qu'il lui dit « Ce en quoi tu crois, je m'y opposerai », il est en train de lui dire quoi? J'ai beau t'aimer et mon amour il est là, mais jamais mon amour ne m'empêchera de penser seul. Jamais mon amour n'aura raison de la liberté que je dois avoir de penser. Vous vous rendez compte de ce que c'est que la vie des prophètes a.s.? Des gens de leur famille, le propre père qui nie et renie son fils, et le fils qui dit « Je t'aime, mais ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Je t'aime, mais ce que tu fais, ce n'est pas juste. Je t'aime, mais j'ai ma conscience et ma liberté. Je dois faire le choix de la liberté. » Allah, il a mis les prophètes en face du choix fondamental de leur liberté, de faire un choix, d'assumer, à tel point qu'ils vont aller jusque-là et qu'on l'a aussi dans Surat Luqman. وَإِنْ جَهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes parents te disent de faire quelque chose d'injuste, ne les suis pas. Ça veut dire réveille ta tête, utilise ton intelligence. Tu dois savoir réfléchir, écouter même ce que disent ceux que tu aimes. Et ceux que tu aimes le plus peut-être dans cette vie, ce sont tes parents. Mais ce n'est pas parce que tu les aimes qu'ils pensent à ta place. Ce n'est pas parce que tu aimes un conférencier que c'est lui qui pense à ta place. Toute pensée doit être soumise à la critique de ton intelligence, de ta liberté et de tes choix. Personne ne pense à ta place. Personne n'a pensé à la place des prophètes, as-salam, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a dit « Debout en face de l'injustice, debout au nom de la vérité, debout au nom de la réforme des cœurs et des sociétés. » Il faut être courageux avec ça. Donc en l'occurrence, si on suit le prophète, as-salam, dès le début de la révélation, c'est un appel à la conscience, c'est un appel à la liberté, c'est un appel à assumer, un, ses choix, mais deux, la connaissance, donner du temps à sa connaissance. Donner du temps à sa connaissance, c'est s'imposer de chercher la vérité, s'imposer de faire les bons choix. Et malheureusement, dans notre communauté, nous sommes devenus trop émotionnels. L'émotion, c'est très bien. Ça dépend où elle est. Être émotionnel tout le temps, c'est être faible. Être émotionnel dans l'amour, c'est être beau.
Être émotionnel en politique, c'est être stupide. Et malheureusement, certains d'entre nous, ils mélangent tout. Ils sont rationnels en amour, émotionnels en politique. Et on va directement dans le mur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir d'un certain moment, l'une des décisions de la conscience, c'est de mettre l'émotion à sa place, c'est de mettre l'amour à sa place, c'est de mettre ce choix-là. La toile de fond de la vie du prophète, al-salam, c'est ça. C'est donner du temps. Alors, encore une fois, moi quand je vois ce qui se passe au Pakistan, en Indonésie, dans des sociétés majoritairement musulmanes, où on n'aura pas donné d'éducation, où l'éducation elle est très très faible, où la pauvreté elle est là, où les gens survivent, je peux difficilement vouloir au peuple en voyant qu'ils sortent dans la rue et qu'ils lancent leur frustration en disant c'est notre responsabilité d'éduquer les peuples et de leur faire comprendre. Mais quand je vois en France, après 3, 4, 5 générations de Français de confession musulmane, que ne sort pas encore de façon assez visible, ça commence, et alhamdoulilah ça commence, mais ne sort pas de façon visible des femmes et des hommes qui assument leur dignité d'être responsables, qui deviennent des sujets, qui donnent du temps à leur connaissance, qui donnent du temps à leur liberté, qui s'expriment avec assurance, qui disent très clairement « Je ne suis pas plus musulman parce que je suis contre la France, je suis plus musulman parce que je suis en accord avec mes principes. » Et parfois, ces principes sont en accord avec la France. Et parfois, ces principes questionnent le choix du gouvernement français. Je suis un citoyen responsable, loyal, d'abord... Non. Ne devenez pas émotionnel. Moi, je peux parce que je parle. Vous, il faut que vous soyez raisonnable parce que vous écoutez. Donc, en l'occurrence, il faut, de ce point de vue-là, avoir une attitude qui soit claire, digne, pas réactive, pas sur la défensive. Mais ça, ça vient d'un travail sur soi d'abord, en comprenant la toile de fond. Et alors après, vous apercevez que qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui a aidé le prophète as-salam ? Vous savez, quand vous venez vers des petites sourates de la fin et que vous lisez par exemple dans Sourate al-Fajr, « Kalla, balla tukrimoun al-yatim, wala tahadouna ala ta'am al-miskin » Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux gens qui suivent le prophète as-salam et la première chose qu'il touche, c'est « vous n'êtes pas digne, vous ne respectez pas la dignité du pauvre, vous ne faites pas attention au destin des orphelins. » Mais pourquoi croyez-vous que dès le début de l'islam, le rapport avec l'un a orienté la conscience de l'homme libre vers ceux qui n'ont pas de liberté et ceux qui vivent la liberté? Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de la foi, c'est un formidable bouleversement du pouvoir. C'est un ébranlement du pouvoir. Le malheur, c'est que beaucoup d'entre vous dans cette salle, et moi avec vous parfois, nous avons parfois peur des pouvoirs. Nous avons peur de qui a l'autorité. Et celui qui a l'autorité politique, ou celui qui a l'autorité familiale, ou celui qui a l'autorité communautaire, ben on a peur de lui. Mais ce qui nous est dit dès le début, pourquoi vous pensez que les prophètes, tous les prophètes, sans exception, Allah, dans la société, il leur a dit, tournez-vous du côté des pauvres. Parce qu'en fait, quand vous vous tournez du côté des pauvres, vous allez chercher un nouveau pouvoir vers ceux qui n'ont pas de pouvoir. De ceux qui n'ont pas apparemment de pouvoir. S'approcher de la pauvreté, s'approcher des exclus, c'est une réponse à ceux qui ont le pouvoir et ceux qui dominent. La foi est libératrice quand elle vous permet d'aller vers ceux qui sont des exclus de la société, de ceux qui sont des oubliés de la société. Approchez-vous de leur statut sans pouvoir, ça vous donnera un nouveau pouvoir spirituel. Et ce nouveau pouvoir spirituel, c'est de ne pas avoir peur des pouvoirs constitués. C'est de ne pas avoir peur de ceux qui veulent vous imposer le pouvoir. Tous ceux qui ont suivi les prophètes d'abord ont été des hommes et des femmes qui avaient peu de pouvoirs sociaux, peu de pouvoirs économiques, mais qui se sont libérés. Et donc, être sujet, c'est se libérer de ses craintes. En fait, se libérer de ses craintes, c'est se libérer de quoi ? De se libérer des shirks. L'association, et shirk al-khafi, c'est ça la foi, se libérer de ses craintes. Moussa alayhi salam, n'aie pas peur de ce pouvoir de Pharaon, n'aie pas peur de ce pouvoir de n'importe quel président, de n'importe quelle maire. Son pouvoir est relatif, ce qui n'est pas relatif, c'est ta fidélité à tes principes.
la fidélité aux principes de justice, de dignité, et le courage, raison pour laquelle s'associer au combat pour les pauvres, s'associer au combat avec les opprimés, s'associer avec les exclus, c'est faire face à deux choses. La responsabilité de son engagement devant Dieu est faire face au pouvoir en leur disant clairement « Votre pouvoir d'opprimer, d'être injuste, de discriminer, eh ben nous y résisterons. » Pour promouvoir l'égalité, pour promouvoir la dignité humaine, pour promouvoir la justice. Ça, c'est un formidable message. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la spiritualité. Ceux qui aujourd'hui nous disent, moi je vois aujourd'hui des femmes et des hommes qui viennent vers moi et qui me disent, tu sais mon frère, j'ai été dans des organisations musulmanes, je me suis battu pour des choses, je me suis rendu compte que les gens, ils parlaient beaucoup, maintenant je suis devenu un soufi. Et je dis, qu'est-ce que tu entends par soufi? Il dit, j'ai plus envie de m'engager dans la société, je prie, je lis, je m'éduque. Et je dis, et qu'est-ce que tu fais d'autre? Ben je prie, je lis, je m'éduque. Mais est-ce que le prophète, il priait, il récitait, il s'éduquait, il éduquait? C'est tout ce qu'il faisait? C'est tout ce qu'il faisait? La vraie spiritualité, c'est celle dont je parle maintenant. C'est celle qui vous libère de la peur des pouvoirs et du shirk, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour du prestige, l'amour des apparences. Tout ça, il faut s'en libérer. Mais pour venir à quoi? Pour s'associer aux forces vives de la dignité humaine. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir se libérer et de s'engager. La vraie spiritualité, elle est intelligente, elle est libre, elle est active, elle est engagée. C'est vrai aujourd'hui qu'on a beaucoup trop d'associations musulmanes qui oublient tout ce côté de la vie du prophète, al-salam, toute la dimension de la spiritualité profonde, du sens, et qui n'associent pas assez le sens à l'engagement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant aller que vers le sens et oublier l'engagement. Du sens sans engagement, c'est un non-sens. Du sens sans engagement, c'est du non-sens. Si tu pries la nuit pour dormir le jour, ben tu ferais mieux de dormir la nuit et le jour. Parce que tu es un endormi. Et tu es un égoïste. Parce que le pire de la spiritualité, c'est qu'elle devienne égoïste, qu'elle ne pense qu'à soi. Je me sauve, tu te perds. Non, c'est je me sauve et on se sauve ensemble. C'est-à-dire que je prie la nuit et puis je vais être engagé le jour à permettre aux gens de vivre leur liberté, de vivre leur dignité. Et c'est là que vous voyez le prophète, qui n'a pas arrêté d'éduquer les gens, qui n'a pas arrêté de résister, qui a été un éducateur, qui a été un ami, qui a été un engagé, qui a été un mari, qui a été un père, qui a été un frère, qui a été un soldat, qui a été un être de dignité, un sujet devant Dieu, qui arrivait à dire « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » mais sans jamais oublier l'intelligence. Quand il doit quitter la Mecque, pour aller se réfugier à Médine, il prend 2 ans d'intelligence stratégique pour savoir comment il s'en sort. Pour quitter la Mecque, 2 ans d'intelligence stratégique avec une foi profonde. Vous êtes en France, vous avez des frères qui font face et des sœurs qui font face à des critiques, à des insultes, ils ne prennent même pas 2 jours d'intelligence stratégique. Seule chose qu'ils disent, ils ne nous aiment pas. Et alors, assis sur une chaise à dire on ne t'aime pas, ça ne va pas te faire mieux aimer. La réalité, elle n'est pas celle-ci. Ça, ce n'est pas être un sujet. Ça, c'est devenir un objet de leur haine. Deviens un sujet de ton histoire. Reprends cet exemple-là. Libère-toi au nom de la ilaha illallah, c'est-à-dire libère ta conscience, libère ta liberté. Libère ta liberté de là, de l'intérieur. Deviens un être libre. Fais des choix de l'éducation, des choix de cette pratique-là, de cette spiritualité-là. Cette spiritualité-là qui est « tazkiyat an-nafs », c'est-à-dire se prendre en charge, puis ensuite prendre en charge les siens, prendre en charge les pauvres. Le premier acte de celui qui se libère des riches, c'est de commencer à aimer les pauvres. Le premier acte de celui qui se libère de la consommation à outrance, c'est de se poser la question de savoir ce qu'il consomme. Il y en a plein d'entre vous dans cette salle qui ont envie de se libérer au nom de principe. Ils sont complètement colonisés dans leur manière de vivre, colonisés dans ce qu'ils mangent, colonisés dans ce qu'ils regardent, colonisés dans leur manière d'être. Et ils viennent et ils disent « Je suis croyant ». Mais oui, tu es croyant. Et aujourd'hui, on a cette capacité d'être croyant colonisé.
croyant n'assumant pas ses libertés, croyant n'assumant pas ses choix et les décisions que l'on a. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que quand vous venez vers le prophète al-Salam et que vous commencez à étudier, vous apercevez que cette assurance qu'il avait, cette fermeté, elle était liée sur deux choses. D'abord, une foi profonde, comme je l'ai dit, est toujours en train de réfléchir, toujours en train d'utiliser son intelligence. Et son intelligence, elle était double. Qu'est-ce que je veux, moi, et qu'est-ce qu'ils essayent, eux? C'est-à-dire ceux qui peuvent être contre lui. Et il s'apercevait que parfois, chez eux, le Dieu est présent. Et il s'apercevait parfois que parmi nous, le diable est présent. Donc il faut faire attention, il faut avoir une lucidité. Qui joue contre qui? Parmi nous, il y a des hypocrites et parmi nous, il y a des sincères. Parmi ceux qui peuvent nous attaquer ou ceux qui ne sont pas de confession musulmane, il y a des gens très sincères, des gens très nobles, des gens très justes, des êtres de dignité. Ou quand vous les voyez, vous dites c'est vrai au fond. Allah Ta'ala, il dit vrai. Il a donné la dignité aux êtres humains. Et puis vous voyez des gens qui ne sont, pas dignes. Mais ça demande de la lucidité. Et ça vient d'El-Furqan, ça vient du discernement. Le prophète savait discerner parmi les siens les hypocrites et reconnaître parmi autrui les sincères. Les sincères, quand il envoie au moment de la répression des musulmans vers un chrétien en Éthiopie, quand il envoie les musulmans se faire protéger par Najashi, c'est-à-dire le Négus. Mais il n'est pas musulman, mais il a compris. Il y a sur cette terre des chrétiens de justice, comme il y a sur cette terre des musulmans d'injustice. Il y a des gens de mon sang qui sont indignes, il y a des gens d'une autre religion qui sont dignes. Ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas de l'appartenance, ça vient des principes. Et quand des gens de son sang sont allés dire au Négus que ceux de leur sang étaient des traîtres, et bien le Négus, qui n'est ni de leur sang, ni de leur tribu, au nom des principes, a dit « Je défendrai ceux-là contre la traîtrise de ceux-là ». Quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous dites « Subhanallah, le prophète al-Salam, au début de sa prédication, il sait reconnaître les justes, non pas sur l'appartenance de sang, non pas simplement sur l'appartenance religieuse, mais sur la fidélité à des principes. » Et quand vous êtes en France, si vous n'avez pas compris cet enseignement-là, eh bien vous êtes perdu parce que vous n'allez chercher que les vôtres. Mais pour savoir regarder qui est juste, faut appliquer cette justice à soi d'abord. Parce qu'il y en a certains, ils m'écoutent là maintenant, et puis ils se disent, ah c'est bien, il nous a dit qu'on pouvait être ouvert vers les autres. Et alors ils sont ouverts vers les autres et ignorants d'eux-mêmes. Je n'ai pas dit ça. Dans l'ordre, j'ai dit, connais-toi toi-même et ouvre-toi aux autres. Ne va pas t'ouvrir aux autres en t'ignorant toi-même. Parce que ouvert aux autres en t'ignorant toi-même, tu n'es plus personne. Vous me suivez? C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est ça l'exemple du prophète al-Salam. Un sujet qui sait la liberté, qui sait la connaissance, qui sait l'ouverture, qui utilise son intelligence et s'appuie sur une voie profonde. Et qui sait que les pauvres sans pouvoir sont sans pouvoir. Écoutez-moi bien. Les pauvres et les exclus sans pouvoir sont sans pouvoir. Ça devient son pouvoir, parce qu'ils n'ont apparemment pas de pouvoir. Mais ils vont avoir le pouvoir de la foi, ils vont avoir le pouvoir des principes, ils vont avoir l'énergie de la résistance, parce qu'ils veulent la dignité au-delà de leur statut de pauvreté. Ça, ce sont des choses qu'il faut que l'on comprenne, et on ajoute une dernière dimension. Cette dernière dimension, elle vient de l'exemple du prophète, as-salam. Je vous l'ai dit, il savait identifier les gens, il savait capitaliser le temps. Et puis, il a appris à tous ceux qui l'entouraient, à tous ses compagnons, ce que lui-même il était. Vous savez, Ali, karramallahu wajha, son gendre et son cousin, a dit de lui, et ça a été confirmé par d'autres compagnons, il a dit que lorsqu'il y avait une bataille et qu'il y avait soit en retrait, soit qu'il fallait revenir, le premier qui se présentait, qui s'exposait, était le prophète alayhi salam. C'est pas un leader qui dit à ceux qui le suivent, allez-y, je vous suis. C'est pas un leader qui dit à ceux qui le suivent, je suis la pensée et vous êtes l'action. C'est un leader qui dit à ceux qui le suivent,
Je suis ceux qui me suivent parce qu'ensemble nous suivons les mêmes principes. Je suis avec ceux qui me suivent parce qu'ensemble nous suivons les mêmes principes. Et il est au premier rang. Et là, je demande et me retourne vers les femmes et les hommes qui sont de cette société et qui sont de cette religion. Où est votre courage? Où est votre courage intellectuel? Où est votre courage spirituel? Où est votre courage de vous affirmer pour ce que vous êtes? Où est votre courage de réfléchir même contre la majorité? Où est votre courage de vous déterminer? Où est votre courage de parler contre les pouvoirs? Où est votre courage de parler contre ceux qui ne respectent pas les principes? Où est votre courage encore plus? Là, je suis en train d'écrire un article qui va être publié là, la semaine prochaine sur tout ce qui vient de se passer et un appel à la conscience musulmane sur nos responsabilités. Il faut avoir du courage de se retourner contre sa propre communauté parfois, contre ses co-religionnaires. Il faut avoir du courage d'interpeller les États, tous les États. Et il faut leur dire, même aujourd'hui, ceux qui sont en train... Vous savez, on est en train de voir quoi? On est en train de voir des mouvements salafis, littéralistes, pour lesquels, moi, j'ai un respect profond sur ceux qui sont sincères religieusement. Vous n'entendrez jamais de ma bouche quelque chose qui soit négatif sur une femme et un homme qui est littéraliste, conservateur, pour lui ou pour elle, c'est blanc et noir, et qui pratique sa religion tant que c'est pour elle ou pour lui, et qu'il ne me dit pas que je suis moins musulman que lui ou elle. Fais ton choix. Là où j'ai un problème, c'est la manipulation de ces mouvements par des forces politiques derrière. Là où j'ai un problème, c'est de m'apercevoir que depuis 10 mois, encore plus qu'avant, des mouvements salafis littéralistes sont utilisés par des pouvoirs pour créer la déstabilisation en Tunisie, en Libye et en Égypte, qui jouent de la sincérité de ces gens avec des objectifs politiques absolument pas sincères. C'est là où j'ai un problème. Je critique ceux qui sont derrière. Et je critique, contrairement à ce que certains laissent entendre, sans aucune hésitation et sans aucun double discours, que ce soit le pouvoir saoudien ou le pouvoir qatari ou le pouvoir de Bahreïn ou certains dans les sociétés égyptiennes ou marocaines ou tunisienne ou algérienne ou même en Malaisie ou même ici en France, et bien tous ces pouvoirs-là qui soutiennent des mouvements littéralistes avec des intentions politiques malsaines, mensongères, à eux il faut leur dire: vous allez nous trouver, on ne laissera rien passer, on a le courage de nos convictions. À ces pétromonarchies, encore une fois, moi quand on vous a dit que je travaille au Qatar dans un centre, et j'ai répété, mais depuis des années, je répète, le jour où vous trouverez que ma parole s'arrête à dénoncer les dictatures des pétromonarchies, vous venez me dire, parce qu'alors il faut que j'arrête de venir là, il faut que vous disiez aux responsables, Tariq, il ne faut plus l'inviter, il ne faut plus qu'il vienne parler, parce que ce qu'il dit vis-à-vis des pouvoirs, il en a peur. Et que ma position aujourd'hui, par rapport à l'Arabie Saoudite, comme hier par rapport à Ben Ali, par rapport à Moubarak, et aujourd'hui par rapport à l'Arabie Saoudite, ou le Qatar, ou n'importe quel pays, c'est de dire clairement, là où vous serez injuste, là où vous serez utilisé, soit par des pouvoirs étrangers, là où vous défendrez des intérêts, eh bien nous aurons la parole libre et courageuse de dire non, ça n'est pas ainsi que l'on respecte la dignité des hommes. Il faut qu'on soit clair et qu'on dénonce tout le monde, de tous les pays. Encore une fois, quand on vient vers moi et qu'on me dise « faut pas soutenir la Syrie, faut pas soutenir la résistance syrienne, parce qu'en fait, en soutenant la résistance syrienne, tu travailles pour les sunnites contre les chiites. » « Again », c'est anglais, c'est parce que j'arrive. Et donc, en l'occurrence, non. Bachar el-Assad est un dictateur, il faut que ça cesse, il faut qu'il s'en aille. Mais c'est pas parce que c'est un dictateur chiite ou proche des chiites que je vais m'arrêter de dire c'est un dictateur. De la même façon, quant au Bahreïn, on a des gens aujourd'hui qui s'en prennent aux chiites, on va leur dire non, et c'est pas parce que ce sont des chiites que vous avez le droit de les opprimer. Nous sommes pour la justice contre les nôtres si les nôtres sont injustes. Nous sommes pour la justice contre les injustes, même si c'est les nôtres. Il faut avoir une parole libre. Aujourd'hui, à votre niveau, quel courage vous avez de cette parole? Quel courage vous exprimez en personne? Encore une fois, là, je suis désolé parce que quand on parle comme ça, on est pris dans un... je deviens émotif.
Mais en fait, dans votre vie quotidienne, il ne faut justement pas faire ce que je viens de faire. Il faut être calme, déterminé, mais courageux. Parce que l'exemple du prophète a toujours été le courage. Ça a toujours été le courage et la détermination. Et là, c'est de ça dont on a besoin. L'un des plus grands problèmes de la communauté ou des sociétés majoritairement musulmanes et des communautés musulmanes, c'est qu'on ne suit pas l'exemple du prophète a.s. sur une chose. C'est le courage vis-à-vis des siens et le courage vis-à-vis de certaines personnes qui vous attaquent. Aujourd'hui, il faut clairement dire, il y a de l'islamophobie, on ne laissera pas faire. Il y a de la haine anti-musulmane. Je veux dire, quelqu'un aux États-Unis dit, l'islam est un cancer et au nom de la liberté d'expression, il faut que je lui sourie. Mais c'est toi le cancer, mon ami. C'est toi qui es un cancer, c'est toi qui es un dangereux. Mais ce que je vais faire, ce n'est pas lui répondre avec les mêmes termes ou l'insulter. Non, je vais trouver dans la société américaine toutes les femmes et tous les hommes qui pensent que lui est un danger pour nous tous et construire avec eux. Quand vous avez de l'islamophobie en France, il y a énormément de Français qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est eux nos alliés. Ils sont les porte-parole de principes clairs. Avec eux, il faut travailler. Il faut avoir une conscience de qui sont nos alliés, mais avoir le courage de travailler avec eux et puis de dire à tous les gouvernements, attention, même au gouvernement socialiste aujourd'hui, comme au gouvernement de l'UMP hier, on sait comment vous travaillez. On sait que vous avez des stratégies d'intérêt à 5 ans. On sait que votre temporalité, c'est 5 ans. Notre temporalité, c'est 25 ans. Nous, on compte sur 5 fois, sur une génération. Et sur une génération, eh bien, nos principes seront plus forts que vos calculs. Nos principes doivent être plus forts que vos calculs. Malheureusement, il y en a certains parmi nous ici dont les principes sont soumis aux calculs. Si vous me suivez. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à cette vision-là. 23 ans, c'était une génération, non ? La mission prophétique, 23 ans, c'est une génération, c'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça qu'on projette. 1, devenir des sujets. 2, assumer sa liberté. 3, être sujet de son éducation personnelle et s'engager intellectuellement et spirituellement. 4, être du côté de ceux que l'on exclut pour prendre d'eux le pouvoir que l'on a sur ceux qui pensent avoir le pouvoir. 5, être déterminé à s'associer dans cette société avec tous ceux qui sont porteurs de bien, en dehors de la communauté musulmane, avec nos concitoyens, femmes et hommes. 5, être courageux et oser le dire et le faire à la lumière du prophète, as-salam, de cet enseignement de sa vie. Et en toutes circonstances, maîtriser ses émotions et répandre de la paix. Efshus salam, disait le prophète, as-salam, répandez la paix, c'est-à-dire être très clair dans cette façon que l'on a d'être assuré avec nos principes, mais jamais déstabilisé par la haine d'autrui. Quand on est en accord avec ses principes et son cœur, on est un agent de paix. Et même la haine qui vient de l'autre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Etfa billati hiya ahsan. Tu m'attaques avec ta haine, eh bien, tu auras mon sourire et ma paix. Tu veux le conflit, voilà ma paix. Tu veux la haine, voilà mon amour. Tu veux l'indigne, tu auras ma dignité. Soyez des... Mais c'est sérieux ce que je dis, hein. Ce n'est pas des mots où vous dites « Waouh, quel beau discours, quand est-ce que tu reviens ?» Parce que c'est ça que j'ai. Là, dès qu'on sort de cette salle, chacun d'entre nous, on y réfléchit avec sa famille, avec sa société, avec les gens avec lesquels on est autour, puis on essaye d'appliquer ça chacun comme on peut. C'est un appel à la responsabilité quotidienne, son intelligence. Là, maintenant, quand vous sortez, mais combien de temps vous donnez à la lecture de livres ? Combien de temps vous donnez à vous éduquer ? Qu'est-ce que vous faites de votre liberté ? Comment est-ce que vous consommez ? Qui sont vos amis ? Quel est votre courage ? Mais ça, c'est des questions simples, mais la réponse, alors, elle est difficile parfois. Parce que parfois, quand vous devez y répondre, vous dites, « Oulala, là, je suis peut-être en train de me tromper. » Et vous savez, la meilleure chose qui peut vous arriver, qui peut m'arriver, qui peut vous arriver, c'est quand vous vous trompez, que vous ayez un frère, que vous ayez un ami ou une amie ou un signe qui vient de Dieu qui vous dit « Attention, tu es en train de te tromper. » Quand un signe vous vient avant que vous soyez mort, que peut-être vous vous trompez, c'est que Dieu vous aime encore. Wallahu a'lam, wa a'la, wa ahkam, wa salam alaykum wa rahmatullah.